Bonsoir, avant de commencer, petite annonce, quelqu'un a perdu des clés de voiture. Donc voilà, si vous avez perdu vos clés, c'est Aurore qui les a. Voilà. Bonsoir à tous, cette fois-ci on va vraiment y aller, pas d'histoire de clé de voiture. Bonsoir, merci d'être présents ce soir, nombreux, pour ce moment important qui marque le début d'une grande démarche de concertation qui s'appelle donc Imagine Corbeil-Essonnes, et mon micro ne a marché plus, voilà. Bonsoir. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est mieux? On va monter le son encore. Encore plus fort. Voilà. Voilà. Ah. Ah là, c'est bien. Donc je disais, bonsoir. Bienvenue pour ce moment extrêmement important qui est donc le démarrage d'une grande démarche de concertation qui va se dérouler tout au long du mois de juin. L'idée, c'est que chacun d'entre vous et les habitants de Corbeil-Essonnes sont invités à venir s'exprimer devant, en présence des élus qui sont là ce soir, des services de la ville qui seront présents aussi, pour nourrir leurs réflexions et leur permettre de prendre des décisions qui vont peut-être aider à ce que chacun d'entre vous vive mieux et habite mieux à Corbeil-Essonnes à l'avenir. Donc, ce soir, vous allez découvrir le programme donc, de cette concertation, et puis vous allez découvrir un film auquel certains d'entre vous ont participé. Je reconnais quelques têtes. Mais avant ça, je voudrais demander à Bruno Piriou, qui est là, le maire de Corbeil-Essonnes depuis 3 ans, pourquoi vous avez décidé de lancer une démarche de concertation? À quoi ça va servir? Je pense que beaucoup de gens ici se demandent à quoi va servir cette concertation. Voilà, bonjour à vous toutes et tous. D'abord, voilà, il y a effectivement beaucoup d'élus, certains encore arrivent. Je vois Oscar Segura qui est au fond, lève la main. Voilà, le maire adjoint à la culture. Sylvie Dayani qui arrive, qui s'occupe de la nature en ville et elle a de quoi faire. Il y a, peut-être levez-vous les élus, je trouve que c'est une politesse. Voilà, je vais les nommer. Maxime Podolac qui est là. Mounia ici, qui est là, Italia Tiria, Rénal Jourdain, le maire adjoint au sport. On a le conseiller départemental qui est là, Alexandre Macquestio, Sylvain Renard, Jacques Picard qui est là, Hichem Boukouba qui s'occupe du développement économique, Françoise Lopez du handicap, Jean-Marie Sierami des copropriétés dégradées de l'habitat indigne, Flore Droguet, si la ville n'est pas propre, vous pouvez aller la voir. C'est le nouvel élu qui s'occupe de ces questions. Clotaire Bonzi, qui est, rapproche-toi par là, qui s'occupe de la vie des quartiers, entre autres, et qui aide aussi à créer des amicales de locataires. Michel Noaille, vous le connaissez, le premier adjoint qui s'occupe de toutes les questions de la petite enfance, de l'éducation, de la vie scolaire à Corbeil-Essonnes. Sylvain Renard, je l'ai dit. J'en ai pas oublié. Jacques, je l'ai dit. Rénal, je l'ai dit. Voilà. Les élus, donc, ils sont venus. Merci à vous. De la fibre, c'est Sylvain Renard, voilà. Donc, par contre, si ça marche pas, c'est pas de sa faute, mais on pourra en parler. Mais on pourra en parler. On pourra en parler. Mais c'est lui, et il a déjà fait 2 ou 3 réunions publiques sur le sujet dans cette salle dans l'année qui vient de passer. Mais bon, voilà. Donc, pourquoi on a lancé il y a Sophia qui est arrivée, Sophia Louz, qui s'occupe de logement et de la vie associative. Donc plus de la moitié d'ailleurs de l'équipe municipale, manifestement, a décidé de venir ce soir. Tant pis, mais, tant pis, tant mieux. Merci à vous. Et ce que je voulais dire, c'est que on a souhaité donc lancer cette démarche parce qu'on est d'abord à mi-mandat. Ça fera 3 ans au mois de juin, fin juin, que nous sommes là. Qu'on voulait vérifier. Plutôt que de faire un magazine pour dire regardez comme c'est bien tout ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, on a préféré prendre 1 mois, mais vous verrez, ça se.
il y aura un événement en septembre. On a voulu prendre le temps de vous donner la parole. Et vous allez voir, on ne va pas être trop bavard, nous les élus, ce soir, parce qu'on veut prendre le temps de vous écouter. Et le film est une amorce au débat, vous allez le voir, pour vérifier d'abord si où en est Corbeil-Essonnes. Pas simplement de voir si ce qu'on a fait, ça fait le compte depuis 3 ans, je vous le dis tout de suite, non. Mais vérifier ensemble votre regard sur la ville, le diagnostic de Corbeil-Essonnes. Et puis, on va vous faire travailler, puisqu'il y aura, ce soir, c'est le lancement, plutôt avec tous ceux et celles qui sont dans le film et qui auront le droit, évidemment, de revenir à toutes les rencontres. Et on va faire 10 réunions dans 10 quartiers de Corbeil-Essonnes, tout le mois de juin. Donc, plutôt en soirée, à chaque fois à 18h30, et puis dès samedi matin. Donc, on se donne les moyens, vous verrez, d'écouter plus de 1000 Corbeil-Essonnois en un mois. Et on a une conviction, d'abord les élus qui sont là, quand on décide d'être élus, la plupart vous ressemblent, hein, sont des citoyens qui se sont présentés sur une liste, qui ont été élus, tous, et c'est la première fois depuis 25 ans, notamment pour le maire, habitent Corbeil-Essonnes. Et donc, si on est là et si on s'est engagé, en plus de notre travail, de nos vies personnelles, c'est qu'on aime cette ville, qu'on pense qu'elle a d'énormes atouts, certains atouts plus que d'autres. Beaucoup de maires sont jaloux de ne pas avoir la Seine de part et d'autre, la rivière Essonne, autant de verdure, d'avoir une population aussi engagée, vous êtes nombreux ce soir, et en même temps, une ville... le film va le dire, donc je donne parce que c'est aussi mon sentiment. Une ville, à l'instant T, dans un pays qui n'est pas en pleine forme, c'est mon avis, et une ville qui n'est pas en pleine forme pour autant. Avec, vos mots seront plus justes que les miens, un sentiment, un risque de se demander si il n'y a pas une dynamique de déclassement à Corbeil-Essonnes. Avec, malgré les atouts, mais que on va bien, je ne vais pas rentrer dans le détail des sujets parce que c'est l'objet des rencontres, mais on sent qu'il y a un doute sur, sur où on va, quoi. Et comme il nous reste 3 ans, plus 6 affinités, on veut être certain que ce qu'on va décider, parce que les élus décident pas de tout, mais ils décident, si ce qu'on va décider dans les 3 ans, pour les 3 ans et après, ça correspond à vos attentes. Et ce serait bien présomptueux pour les élus, on est 34 dans la majorité, pour le maire, de penser que on sait exactement ce qu'il faut faire. Et c'est assez original, et d'ailleurs, je le dis là, je fais de la politique, je suis un homme engagé, ça vaut mieux des fois de vérifier et d'écouter les habitants. On peut penser que si le président de la République nous avait écoutés, il n'y aurait peut-être pas eu la réforme des retraites, par exemple. Hein ? Ce n'est pas de notre compétence, cette question, mais on a du pouvoir d'orienter, de raconter un nouveau récit avec les Corbeil-Essonnois pour le devenir de la deuxième ville du département, qui a longtemps été l'une des principales villes, la première ville du département. Donc voilà, et donc on ne veut pas se tromper, et vous allez voir, on va donc avoir un échange. C'est pas que question-réponse, il s'agit d'avoir un dialogue entre nous pour définir les orientations ensemble des années à venir. Voilà pourquoi on a pris ce temps. Merci, monsieur le maire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, bon, déjà, je vais me présenter. Je suis Quentin Chex de l'agence Grand Public. Et ce soir, mon rôle, ça va pas être très compliqué. Mon rôle, c'est de vous donner la parole, que chacun puisse s'exprimer à l'issue du film qu'on va vous diffuser. Et justement, pour avoir une base de discussion collective, eh ben, on a des journalistes de l'agence qui sont allés sur le terrain dans les semaines qui ont précédé cette soirée et qui sont allés à la rencontre de plusieurs centaines d'habitants de la ville. Et parmi ces habitants, il y en a 74 courageux qui ont accepté de se prêter au jeu de l'interview. Ça a constitué 25 heures
d'enregistrement. Alors, on ne va pas vous diffuser 25 heures d'enregistrement. On a résumé ça en 26 minutes. Et on vous propose ce soir de découvrir ce film. Et puis ensuite, eh ben, je vous donnerai la parole. Vous pourrez réagir et puis nous dire déjà si vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu. Et puis d'aller peut-être un peu plus loin dans la discussion. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir le film. Et puis après, on en discute. Voilà, Imagine, Corbeil-Essonnes. En priorité pour moi, il faut renouveler le parc de l'Ermitage, il est trop petit. C'est arrêter de bétonner. Faire davantage d'espace vert entre les immeubles. On n'est pas à New York, hein, c'est pas l'Amérique, là, Corbeil-Essonnes. Au niveau des Tarterets, ouais, je pense qu'il faut vraiment mettre un coup de jeune au bâtiment. Enfin, je sais pas moi, les peindre en bleu, en vert, en jaune, en violet, enfin, leur donner un coup de peps. C'est le culturel. Vraiment redonner à Corbeil-Essonnes ce qu'il avait avant. Pour le festival de jazz, pour le cinéma, pour les gens, etc., c'est libérateur. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école, ils n'ont pas de travail. Il faut les encourager. Pour les encourager, il faut leur donner des stages, du travail. J'ai envie de dire au maire qu'il essaye de comprendre déjà sa population. Donner la parole aux gens, les gens s'expriment. Si on ne dit rien, on est enfermé et ça explose après. Un de nos objectifs, c'est que les habitants de Corbeil-Essonnes, que vous repreniez confiance dans le fait que quand vous dites quelque chose, ça sert à quelque chose. Que votre parole est entendue. Pour vous, le centre-ville, qu'est-ce qui est bien dans le centre-ville ? Là où il est placé, le fait qu'il y ait les berges de Seine et l'eau. La 2, partout, la plus grande présence de la police municipale et nationale. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Sur les Tarterets, l'urbanisme c'est toujours au point mort, on a toujours des zones en jachère, tout est laissé un peu à l'abandon. Tarterets, ça doit ressembler à la France, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre. Déjà que le quartier des Tarterets commence à devenir digne de Corbeil, avant de devenir digne de la France. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire les Tarterets, mais Corbeil-Essonnes, que les jeunes des Tarterets puissent aller dans le reste de Corbeil, se mélanger. Et là, je pense qu'on avancera à grands pas. Corbeil, aujourd'hui, c'est difficile pour tout. Hein. Pour la difficulté à trouver un emploi, les fréquentations de la ville. Comment, en fait, les gens nous voient de l'extérieur comme des animaux, en fait. On va pas dire une personne de Corbeil, c'est un espoir, un avenir. Il n'y a pas d'exemple, en fait. Corbeil-Essonnes, aujourd'hui, bon, bah, pour moi, c'est plutôt décevant. Il y avait Doito, il y avait les biscottes Exona, Papeterie d'Arblay. Et puis, petit à petit, bon, c'est devenu... on a laissé partir tout. On se demande un peu comment la ville peut vivre. Ce qu'on voit à la télé, ce qu'on en entend. Moi, j'avais l'impression que c'était une ville dangereuse, en fait. Et je suis venue visiter la première fois. J'ai dit, waouh, ouais, quoi, quand même. Le coin est sympa. Il y a de la verdure, des parcs, des zones où on peut se reposer. C'est vraiment pour moi un havre de paix. Ok, 1, 2. Bonjour, je me présente, je m'appelle Henri. J'ai 11 ans, j'habite à Corbeil-Essonnes. Je suis à Paulbert, dans une classe de CM2. Je m'appelle Muriel, j'ai 54 ans et j'habite à Corbeil depuis 4 ans. J'habite Corbeil, j'y suis née. J'ai fait rive droite comme quartier, le centre-ville. J'habite désormais à Montconseil. Je suis propriétaire depuis un an de mon appartement. Et sinon, ça fait 4 ans que je suis à Corbeil-Essonnes. J'habite à Corbeil-Essonnes.
Et je travaille aussi à Corbeil-Essonnes en tant que vendeuse dans une boulangerie. Je suis à la retraite, je travaillais dans l'aéronautique, à la SNECMA. J'ai travaillé à la Poste, à la mission locale. Je suis un passionné de basketball, de sport, d'animé, de séries, de films. Donc voilà, tout pour la bonne ambiance, on va dire. À Corbeil-Essonnes, j'aime tout, tu t'ennuies jamais. Il y a tout le temps des activités. Grâce à nos maisons de quartier et associations ou autres, on a des sorties. On se connaît à peu près tous. Bah là, si je devrais déménager dans une autre ville que Corbeil-Essonnes, je pense que je serais beaucoup triste. Par rapport à Évry ou toutes ces villes-là, qui, moi, je trouve qu'ils sont trop bétonnées, celle-ci, elle a une histoire. On a la Seine, on a vraiment même des côtés forêts, côtés très urbains. Les axes aussi, on a la francilienne, l'autoroute, on a tout à côté. Des gares, on a 30 minutes de Paris, on a des sports. En fait, pour moi, il y a tout. Pour moi, la ville de Corbeil, elle est complète. Ça m'évoque déjà la grande banlieue par rapport à mon lieu de travail. Puis le côté multiculturel de Corbeil, c'est sympa. Elle a ce passé-là d'accueillir justement des gens qui viennent d'un peu partout. Il y a des populations africaines, nord-africaines et puis portugaises aussi. Au niveau population, il y avait un mix qui était fait dans les HLM. Les gens qui travaillaient pour des grosses sociétés comme IBM, comme SNECMA. Aujourd'hui, au fur et à mesure que les personnes, on va dire, les plus aisées ont pu déménager de Corbeil, on a malheureusement regroupé des populations qui ne sont pas forcément les plus favorisées. Avant, c'était mieux, mais maintenant, c'est un peu à la débandade. Là, depuis quelques années, il y a un petit peu trop de laisser-aller vis-à-vis des jeunes qui agresse à tout bout de champ. On vit avec la peur. Dans Corbeil-Essonnes, il faut savoir qu'il y a des quartiers. Celui qui habite à Léon-Cassé, celui qui habite à Pressoir-Prompte, forcément, c'est pas la même chose. Pressoir-Prompte, c'est que la famille, il n'y a pas de souci là-bas. On n'a pas peur, par exemple, de marcher. Alors qu'à Léon-Cassé, il y a des gens jusqu'à tard la nuit et du coup, forcément, on ne se sent pas bien en sécurité. On sait que Corbeil, il y a plusieurs quartiers. Ça aurait été à Tartare et je ne serais pas là. Peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Et on n'aurait pas acheté. Mais le petit coin Moulin-Galant avec l'école à côté, à proximité, ça nous plaît bien. C'est même considéré comme un petit quartier riche. Au sein même des quartiers, il y a beaucoup de fraternité, je dirais. Là où l'animosité prend un peu le dessus, c'est entre les quartiers. On a des gens qui sont au-dessus de nous, qui nous causent des problèmes, et nous, on s'en rajoute. Nous, ici, on est une majorité de Noirs et d'Arabes, et au lieu de s'entraider entre nous, on se marche dessus, en fait, c'est dommage. Corbeil-Essonnes aujourd'hui, ça s'est calmé par rapport à avant. Depuis notre enfance, on n'a pas été habitué à se mélanger avec d'autres quartiers. Ça fait des histoires dans le quartier. Maintenant, les lycées sont un peu répartis dans toutes les villes. Du coup, on retrouve d'autres élèves de mon conseil, de l'Ermitage, d'un peu partout. Au final, ça se passe bien. Corbeil-Essonnes aujourd'hui, il y a des nouveaux ronds-points, il y a des nouvelles routes. Ça a changé sur le plan esthétique, on va dire. Mais sur le plan affinité et vivre ensemble, non, c'est la même chose. Ils ont détruit les bâtiments qu'il y avait. C'est normal, parce qu'ils étaient à 13 étages. Je trouve ça très normal, sauf qu'ils ont détruit aussi les parcs qu'il y avait. Il faut qu'on parte, par exemple, à Melun pour faire un pique-nique, pour avoir de la liberté pour nos enfants. De voir, en fait, qu'ils font des routes à la place, en fait, de s'occuper un peu des citoyens, je me sens délaissée. C'est une ville, certes, qui se modernise, mais par le bâtiment, mais pas de ville de quartier. On a l'impression qu'elle se modernise uniquement pour engranger de nouveaux habitants, mais pas en fait octroyer ce que ceux qui sont déjà ici en fait sont en droit d'attendre. Alors aujourd'hui, Corbeil-Essonnes, pour moi, malheureusement, ça représente plus une ville dortoir. On a les bords de Seine qui sont très jolis, mais à la sortie de ça, il n'y a pas beaucoup d'activités. Il y a de moins en moins d'espaces verts, de plus en plus de constructions, donc on a plus l'impression d'arriver sur une ville qui serait métro, boulot, dodo. On a encore, mais ça commence à changer, une ville dortoir. Ça commence à bouger parce qu'il y a une volonté, je pense, de la ville, même si c'est encore un peu timide, de revenir justement à ce Corbeil d'avant. Corbeil où il y avait des carnavals, cavalcades. Quand il y a les guinguettes l'été, on les attend tous. Ça réunit du monde et c'est cool, il y a plein de musique, plein de stands. Il y a une friperie à Corbeil-Essonnes, enfin, ça c'est ouf. Non, les friperies, on les trouve sur Paris. Il y a quand même des choses qui sont amenées, je pense, surtout en termes de culture. Il y a une initiative très chouette là, qui a été mise en œuvre d'un partenariat avec le musée du Louvre. Des initiatives assez conviviales et sympathiques de concerts, enfin, d'organisation d'événements. Je
J'ai vu quelques petits changements justement par rapport aux jeunes. Ils ont renouvelé ou installé des nouvelles installations sportives. Ils se devaient de faire ça. C'était le minimum à faire. S'ils n'auraient pas fait ça, ça aurait été mal vu. Donc ils ont fait ça pour apaiser les tensions. Tout le monde est content pour l'instant. Enfin, ils ont pu se casser la tête à faire d'autres choses. Ils ont réfléchi un peu, ils ne vont pas aller réfléchir plus loin. C'est ça le problème. À Corbeil-Essonne, quand on est jeune, du genre 20 ans, on n'a pas grand-chose à faire. Si par exemple je veux aller à la patinoire, je dois aller à Évry. Si je veux aller au bowling, je dois aller à Brétigny. Enfin, je n'ai pas l'impression que... Il nous accorde de l'importance. Dans la ville, moi, depuis 2 ans que je suis là, j'ai remarqué rien du tout. C'est aussi à la mairie de se remettre en question, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait changer dans tel endroit. Parce que nous, la mairie, on les voit pas. Les gens de la mairie, on les voit jamais. Corbeil-Essonne, aujourd'hui, c'est du dynamisme. C'était une ville qui dormait un peu. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, je pense, pas mal d'histoires d'argent un peu blanchi. Il y avait des choses auxquelles on ne pouvait pas trop toucher. Les classes sociales, elles étaient, je trouve, un petit peu trop scindées. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on remixe un petit peu, finalement, cette population. Alors après, on va voir ce que ça va donner. Mais ça va remettre aussi, finalement, un petit peu à niveau tout le monde. Dans les années à venir, par exemple dans 50-70 ans, je pense que ça va être une belle ville. Il y aura des bâtiments détruits qu'on connaît et à la place, il y aura comme les grands buildings à Los Angeles, à New York. Ça avance, ça va vers l'avenir. Ils sont en train de créer des nouveaux appartements, faire venir plus de familles ici, créer des parcs. Et en fait, c'est ça, essayer de refaire vivre Corbeil. C'est du positif. Parce que plus de gens, plus de personnes à voir, pas tout le temps les mêmes têtes. Si ça continue comme ça, ça va ressembler à beaucoup de villes du 93, comme la Courneuve, à des villes que la police, elle n'arrive pas à rentrer dans des endroits. Quand je vois des fois à 8 heures du soir, des jeunes de 12 à 10, 16 ans à mettre le feu aux poubelles et attendre la police et les pompiers avec des pierres à la main, c'est quelque chose. Corbeil-Essonne, si ça continue comme ça, l'âme de Corbeil, elle va mourir. Parce que les petits, ils deviennent de plus en plus violents. Les trucs cité police, ça devient de plus en plus violent. Les mamans, elles ne sont plus forcément tous en sécurité. Les gens, ils fument du shit devant les mamans. Avant, il y avait du respect. Maintenant, ça cache plus du tout. Ça deal partout, ça va être nul. Moi, je pense que ça sera une ville plus calme. On a eu une réunion déjà ici à la maison de quartier et ils parlaient plus de faire des événements pour les jeunes. Ça va pas les laisser dans l'image de Corbeil, c'est les embrouilles, une mauvaise image de Corbeil. Je pense que s'il y a les événements, ils vont dire « Ah, c'est une ville conviviale, on peut tous se mélanger. » Il y aura de moins en moins d'espaces verts parce qu'il y aura de plus en plus de bâtiments, parce que chaque petit coin où ils pourront construire un bâtiment, ils le feront. Qui dit moins d'arbres, dit moins de vie, d'oxygène, ça sera du béton en fait. Quand je vois l'évolution déjà en 20 ans qui n'est pas très positive, je ne suis pas très optimiste en fait pour l'avenir. En fait, la moindre petite parcelle de terre qui se libère, paf, il y a une construction dessus. Il y a encore des grands tours, encore des constructions. On entend parler d'un aménagement du centre-ville. On nous parle de concertation auprès des habitants. Au bout du compte, on a l'impression que tout ça, c'est de l'hypocrisie et du vent. On va vers une ville plus agréable. On a ralenti l'urbanisation à fond de cette ville, qui était quand même assez... À un moment donné, on avait des grues partout. Ça va dans le bon sens. Elle va vers un certain nombre de défis. Bah, j'ai en tête la réhabilitation et le réaménagement des moulins. Ça peut aller dans le bon sens. À condition qu'on respecte sans doute l'identité de la ville. Corbeil a une histoire et il faut que Corbeil, à la fois on soit fier et la cultive. Pour aller vite, on n'essaye pas de la faire ressembler à Évry. Si on continue dans le sens qu'on a actuellement, où on a de moins en moins de commerces, où la plupart des commerces qu'on a, ça va être des kebabs ou des coiffeurs et pas grand-chose d'autre, la commune ne sera plus aussi attrayante qu'il y a quelques années. Avec tous les maires des autres communes, où ils peuvent discuter du département ou des choses comme ça, bien sûr que Corbeil aura moins, je vais dire, d'impact et sera moins pris au sérieux. C'est une ville
un jour ou l'autre, va mourir. Il y a ce petit rond-point qui vit un peu. Il y a le côté de la mairie, mais même quand on va au marché, il n'y a plus rien. Ceux qui ont les moyens vont quitter Corbeil-Essonne. Donc ils vont partir plus sur Saint-Gers, sur Saint-Pierre, voire Lieu-Saint. Corbeil-Essonne va vers l'ouverture. Les transports qui sont en train de se faire, je crois que c'est le TZN1. Je crois que ça fait partie du Grand Paris Sud. Ça fait du bien de voir que la ville elle évolue et qu'ils essaient de mettre des choses en place pour justement se connecter à Paris. Parce qu'on est un peu fermé en fait comme ville, assez fermé même. Ça peut que nous faire du bien de s'ouvrir à de nouvelles choses, découvrir, même pour soi-même, s'instruire. Où va Corbeil-Essonne? Pour moi, sur de l'ouverture. Ouais. Corbeil-Essonne à Gare de Lyon en 31 minutes, le rêve. Ça va apporter à la ville une plus-value immobilière. C'est aussi pour ça que nous avons acheté ici. Et si elle est attrayante, eh ben, les gens vont venir s'y installer, donc il y aura plus d'argent aussi pour la ville. Ça va être la ville où les gens vont venir habiter, dans le sens où ils seront proches de Paris. Ce serait peut-être la ville où tous les Parisiens ou toutes les personnes qui vivent dans des grandes villes. Donc Corbeil sera peut-être un refuge pour ce genre de personnes. Où va Corbeil-Essonne aujourd'hui ? Honnêtement, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas vous répondre parce que c'est une ville dans laquelle je ne me projette pas dans le futur. Quand on regarde, franchement, moi, quand j'avais acheté, on avait visité une maison qui m'a juste fait tomber par terre. On m'a dit 2 500 € la taxe foncière. C'est des choses qui vont freiner en fait les investissements. Dans quelques temps à la retraite, vu les fonciers qui augmentent de plus en plus, nous, à la retraite, on va moins gagner. On va être obligé de partir, de vendre et de partir. Il va y avoir des jeunes cadres qui vont venir sur Corbeil. Ça va être qu'une catégorie de population, les riches. Le fait que l'activité industrielle qui était sur Corbeil s'est un peu éloignée, ça veut dire que les gens vont chercher effectivement à partir de Corbeil dès qu'ils pourront le faire. Bah, les gens qui ont les moyens. On continuera à concentrer des gens défavorisés. Je vois vraiment une scission qui va être faite sur plusieurs quartiers. Du côté en fait du centre, ça va être le bon côté. Dans une ville, on a rive droite, rive gauche. Là, ça va être voie ferrée gauche, voie ferrée droite. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut dans le centre, un abandon des quartiers, des tensions, et on va recréer quoi ? Ce qui s'est passé il y a peut-être 15-20 ans avec l'image, entre guillemets, des Tarterets, des pyramides à Évry, des Minguettas à Vénissieux. Pour être honnête avec vous, où est-ce que va Corbeil-Essonne ? On ne sait pas où est-ce que ça va. On ne sait pas, pour nous, l'avenir, comment il va être. On ne sait pas les projets politiques, ce qui se passe à la mairie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Et on n'a pas ce côté-là où on ne sait pas ce que politiquement, l'esprit politique de la ville, où est-ce qu'il va en fait. La priorité, c'est la propreté là maintenant. Il faut respecter l'environnement parce que les gens qui jettent les sachets en plastique à droite, à gauche, ça va où les sachets en plastique ? Ça va dans la Seine. Il faudrait peut-être faire des réunions dans des quartiers, de les motiver, de dire bon, mais aujourd'hui, on prendra une journée, on va essayer de nettoyer. Ça va créer de l'ambiance entre jeunes et moins jeunes. Ah ben, la priorité, la sécurité. La police ne fait pas assez de va-et-vient, quoi. Moi, je vous dis, il y a quand même quelques années, malgré que j'étais au Tarteret, on se sentait un peu mieux de là. On se sent presque seul. Les bavures policières, je pense que c'est pas normal. Pourquoi c'est normal de gazer des mamans ? Pourquoi c'est normal de frapper des vieux ? Juste parce que c'est Corbeil-Essonne, juste parce que c'est tel quartier. Pour moi, la priorité de Corbeil-Essonne aujourd'hui, ce serait la régularité des transports. J'aimerais que quand j'arrive à l'avance ou à l'heure de quand il vient le bus, il soit présent. Au niveau de la ville, les bus qu'il y a, moi je trouve que c'est assez chaotique, quoi, en fait. C'est chaotique, voire énervant. Ils respectent jamais les horaires. On a l'impression que c'est un parcours du combattant, quoi. D'améliorer les infrastructures et les transports en commun. Ça nous permet aussi de nous déplacer ailleurs. Et ça permet aussi, surtout, d'évoluer au niveau du commerce. C'est un intérêt économique. La priorité pour moi, c'est qu'il y ait plus d'égalité. Moi, j'ai de la peine de voir même des jeunes ouais, qui sont sur le banc tous les jours et qui attendent le repas à la Croix-Rouge. En tant que travailleuse à Corbeil-Essonne, la priorité aujourd'hui, c'est l'accès aux soins pour les patients, pour désengorger les urgences de Corbeil,
donc plus de médecins généralistes. On est obligé parfois d'hospitaliser les gens. Alors que si le médecin était venu et qu'il avait vraiment prescrit des choses, on aurait pu éviter cette hospitalisation-là. La priorité pour Corbeil-Essonne, des logements. Des logements accessibles à des faibles revenus. Il y a des gens qui habitent à je ne sais pas combien dans un appartement où ils se tassent. Moins de tours, mais plus de logements. Pour moi, la priorité de Corbeil, c'est de la renouveler. Les bâtiments trop vieux, il faudrait pas les casser ou les reconstruire. Il faudrait juste essayer de la réparer. La ville, elle est riche et ils veulent créer des choses. Alors qu'ils pensent même pas déjà aux habitations pour les gens et tout. Ils pensent juste aux choses pour faire la mode. La priorité pour Corbeil-Essonne, c'est d'investir dans les énergies renouvelables, sur l'écologie, sur la nature. Cette année, donc, on a battu tous les records de température. Donc il faut aller dans ces bons changements dès maintenant pour anticiper. Ici déjà, l'espace vert il commence à être ratatiné. C'est la végétation qui nous protège de la pollution. Et du coup, si on enlève toute la végétation, la pollution elle va détruire la couche d'ozone. Et après, ce sera fini pour nous. La priorité pour Corbeil-Essonne, pour moi, c'est le centre-ville. Que déjà, que ce soit en voiture ou même en transport, c'est compliqué d'accès. Je le trouve moche, je le trouve sale. On voit des gens qu'on n'aimerait pas forcément voir. Il faudrait peut-être le remodeler, enfin, faire quelque chose de mieux. Avec peut-être une place. C'est de favoriser l'installation de, alors je sais que c'est pas simple, mais de commerce, des fromageries, boulangeries, traiteurs, des librairies. Si on crée un centre-ville agréable et tout, on pourrait faire presque une vie de, je vous dis, de petite ville de province ou de village, quoi. J'aimerais bien que la ville travaille à rendre l'espace public plus mixte. Aujourd'hui, on a un centre-ville qui est très masculin. Quand on est une femme, bah, c'est vrai que c'est important de se sentir acceptée dans la ville où on habite. C'est important de se sentir bien. Qu'il y ait plus d'événements pour donner un peu plus de visibilité à la ville. Pour que la vision des choses par rapport à Corbeil-Essonne change. Ce serait bien que Corbeil-Essonne, ça soit oui, Corbeil-Essonne, j'ai envie d'aller là-bas parce qu'il y a ça, une ville qui est connu pas pour des mauvaises choses, mais pour des bonnes choses. D'amener de l'animation, des divertissements, il faut que les gens se rencontrent. Ça permettrait d'attirer du monde de l'extérieur, du tourisme. C'est de rassembler les gens. Pour moi, on est clôturé. Nous, on est vers le haut, c'est plutôt calme. Peut-être ceux qui sont vers mon conseil, ils sont entre eux. C'est bien de se sentir, de marcher dans sa ville, de se sentir bien parce qu'elle est jolie. Mais s'il n'y a pas d'interaction vers les gens, si les gens ne se connaissent pas, il manque quelque chose. Il y a des endroits où des communautés qui vont être plus avantagés que d'autres. Quand on va demander certaines choses, ben on ne va pas les avoir, justement, parce que à Moulin-Galant, on a l'image du quartier calme, qui ne dérange personne, qui n'a besoin de rien, justement, puisqu'on est calme. Et vu qu'on a cette image, on n'est pas écouté. Prendre plus soin de ces quartiers sensibles. Pour qu'une ville elle fonctionne bien, il faut que tous les quartiers soient impliqués et qu'il n'y en ait pas qui soient laissés sur le côté. Pour la ville, c'est important parce qu'il faut que tout le monde se sente bien là où ils vivent, en fait. La priorité pour Corbeil-Essonne, c'est la jeunesse. Rénover les écoles, avoir plus d'aide pour les enfants en difficulté. Dès le début, en fait, qu'ils aient des bonnes bases et que tout le monde puisse arriver à suivre à l'école. Intégrer les jeunes, parce que dans mon quartier, je trouve que les jeunes sont toujours dans un coin. Ils restent là toute la journée sans rien faire. La première manière d'intégrer les jeunes, pour moi, c'est de leur parler, discuter avec eux, savoir leurs attentes, ce qui manque, que les jeunes ne peuvent pas voir l'espoir. C'est vraiment de penser à sa jeunesse. La jeunesse, elle ne veut pas que du sport, elle ne veut pas que vous ouvriez que des fast-food, elle ne veut pas que vous ouvriez que des restos où on peut aller avec sa copine ou des cinémas. Il n'y a pas que ça, enfin, on a un avenir, on a un projet professionnel, il faut voir loin en fait. Faut vraiment voir loin. La priorité est dans les années à venir, bah c'est faut vraiment on va dire intégrer les jeunes, les encourager à je sais pas à faire soit de l'entrepreneuriat, faire des formations, ça peut être des crédits, des choses voilà, pour que les gens se sentent investis aussi dans leur ville. J'espère que Bruno Piriou réussira à créer des emplois, qu'il réussira à attirer des industriels. S'il n'arrive pas à créer des emplois, la ville s'appauvrira encore.
et la ville ne sera pas très intéressante. Faire venir peut-être des entreprises dans Corbeil pour pouvoir faire développer la ville. La ville de Villabé, ils n'ont pas beaucoup de taxes foncières parce qu'il y a le centre commercial Carrefour, par exemple. Et c'est lui qui prend pas mal de taxes foncières sur la ville. Donc l'idée, ça serait de pouvoir peut-être faire pareil avec Corbeil. La priorité de Corbeil-Essonne, c'est d'accueillir un peu plus d'industrie, pas des centres commerciaux. C'est bon. La technologie pour les voitures, les hybrides, les batteries, ça c'est l'avenir. Les jeunes vont rentrer dans ces industries, puis ils vont rester sur Corbeil pour faire vivre Corbeil. Comment faire que Corbeil ne soit plus une ville de quartier, mais une ville tout simplement? Il y a encore tout ça qui fait que on s'éparpille encore dans cette culture de quartier et qu'on ne fait pas assez pour l'unité ou pour l'unité de la ville. C'est la question des impôts. C'est à la fois une condition pour les revenus de la municipalité, une condition de l'action. Simplement, il ne faut pas faire fuir la classe moyenne. D'abord parce que si on fait fuir la classe moyenne, qui paiera les impôts? Et ça peut conduire à une paupérisation de la commune. La question ici, je pense qu'il faudrait mettre en place un peu plus d'écoute, un peu plus d'endroits où on pourrait parler avec nos élus. Les citoyens, s'ils sont écoutés par leur maire, déjà, ça peut que améliorer les choses. Ça veut dire qu'on n'a pas l'impression que c'est qu'eux qui prennent les décisions. La question décisive, c'est est-ce que le maire tiendra sa parole après ce projet Imagine Corbeil-Essonne. Ce qui me fait douter, c'est déjà quand on voit Macron et sa politique, ça se casse un peu la figure de ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est important pour moi que le maire respecte sa parole parce que c'est le pilier de la ville un peu. Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe municipale, j'ai remarqué des changements positifs pour la ville, mais en fait c'est trop lent. Nous on n'a qu'une vie, on va pas attendre 25 ans qu'une décision soit validée par 35 conseils. On a besoin d'une ville qui vraiment soit courageuse, qui fasse des choix courageux. En fait on n'a pas le temps, il faut enclencher la seconde là. Voilà ce que nous ont dit les habitants de Corbeil-Essonne. Merci à eux. Peut-être vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont eu du courage. Bravo à vous. Bravo pour votre sincérité. Bravo pour votre sérieux aussi et vos propos très constructifs. Donc maintenant, ça va être à vous de vous exprimer. Je reconnais plein de têtes qui sont dans le film. J'en reconnais un. Zacharia, ça va te tomber dessus. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu t'es fait ? Je me suis fait une fracture en jouant au football. C'est pas à cause de la ville ? Non, non, d'accord. Alors, comment t'as trouvé, toi, le film ? T'es d'accord avec ce que les gens disent globalement ou pas ? Oui, je suis d'accord avec tout ce que les gens disent. Mais aussi, on a oublié de rajouter certaines choses. Quoi donc ? Avant déjà de commencer, je voudrais juste faire un petit débat. Qui pense que la ville, Corbeil-Essonne, toutes les personnes sont égaux ? Pour relever la main, s'il vous plaît. Alors, allons-y. Zacharia lance la question. Qui pense ici que les habitants de Corbeil-Essonne sont égaux? Ah ouais, ça fait pas beaucoup de monde. Hein. Ah, je crois que tu as posé la bonne question. Hein. Ouais. Ok, c'était pas prévu, hein, on n'a pas répété. Merci, Zacharia. Alors, il y a d'autres personnes qui sont présentes, mais vous pouvez, qui sont présentes dans le film, mais vous pouvez lever la main, hein, vous pouvez intervenir. Tristan, il y a quelqu'un qui est avec toi et qui a envie de s'exprimer. Alors, c'est les petits qui ont décidé de prendre la parole. Hein. C'est vous emparer du destin de cette ville, vous avez raison. Alors, est-ce que tu peux te lever, qu'on te voit bien? Voilà. Et alors, on te voit dans le film et tu nous parles d'écologie. Tu nous dis qu'il faut faire attention. Qu'est-ce que tu as pensé du reste du film, toi? J'ai pensé que c'était bien pensé, c'était toutes les bonnes idées, ce serait bien de les appliquer. T'es d'accord avec tout? Oui. Ouais, ce serait bien de les appliquer. Et t'es optimiste, toi? Tu penses que ça va être fait ou pas? Je pense pas, mais faut tenter. Pourquoi tu penses pas? Parce qu'il y a des choses... Ouais. Alors, mets bien ton micro près de ta bouche pour t'entendre bien, voilà. Pourquoi tu ne penses pas que ça va être fait?
Bah, parce qu'il y a les gens qui ont plus de moyens qui ne le font pas forcément parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas besoin, la vie, pour eux. Alors, c'est pas qu'on a envie de couper ce que dit Loane, mais il y a un petit problème de micro, on va changer de micro. Donc, c'est aussi une question d'égalité, en fait, Loane, si je comprends bien. C'est ça. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le film et qui ont envie... Alors, il y a une main qui se lève là-bas. Normalement, alors, il y a quelqu'un d'autre avec un micro qui devrait arriver assez rapidement. Alors, est-ce que vous pouvez donner la parole aux gens qui lèvent la main, s'il vous plaît ? Derrière toi. Ouais. Bon, si vous pouvez relever la main pour que Tristan vous trouve. Merci. Bon, c'est pas grave, hein. Sinon, je vais piocher par ici. Il y a d'autres interviewés. Bonjour. On s'est rencontrés sur un marché. Ouais, je me souviens. Et alors, vous, vous êtes du quartier de Montconseil, je crois. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu ? Je vais vous donner mon micro. Bonjour. Je m'appelle Yacine. J'habite à Montconseil. Par rapport au film, il y a beaucoup de points à débattre. Il y a beaucoup de choses à dire que les gens ont bien exprimées. Mais comme le petit a dit, c'est pas forcément facile à faire. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas forcément facile. Ouais. Ça sera bon de commencer. D'accord. Voilà. Mais surtout, il faut en discuter entre nous, surtout la question des jeunes. Ouais. Parce que les jeunes sont une ressource. Donc c'est une force et ce sont le futur. Il va y avoir 10 rencontres publiques, enfin 9 en comptant celle-ci, hein, qui vont se dérouler dans donc une rencontre par quartier. À quelles conditions vous pensez que ces rencontres publiques vont être utiles ? Et inversement, elles ne seront pas utiles si quoi ? Pour vous ? Si les jeunes ne pensent pas que ça sera utile. S'ils ne pensent pas que ça fera du changement. Ouais. S'ils ne viennent pas déjà ? Ils ne se présentent pas pour discuter. Ouais. Donc, il faut bien leur dire que ça présente une chance de changement pour avancer pour le futur, en fait. Donc, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Aurore, vous êtes avec madame. Bonsoir. On espère que le micro va marcher. Allez-y, levez-vous. Alors, levez-vous et donc présentez-vous. Bonsoir, on vous a vu dans le film, mais est-ce que vous pouvez vous représenter ? Bonsoir, donc Sandrine Loubouic, je suis de Moulin-Galant. Je voulais rebondir, oui, par rapport au film où des personnes parlent des problèmes de bus. Effectivement, moi encore hier matin, j'ai dû emmener mon fils au lycée parce que le bus est parti trop tôt, est passé trop tôt, donc il l'a raté. Et quelqu'un aussi parlait des problèmes des médecins. Moi, mon médecin traitant est parti à la retraite et depuis, je n'arrive absolument pas à trouver un autre médecin traitant. Voilà. Pourquoi c'est de ces questions-là qu'il faut qu'on discute lors des rencontres publiques qui vont avoir lieu ? En quoi ce sujet-là est décisif pour vous, les médecins, les transports ? Enfin, moi, je voulais rebondir par rapport au film, du coup, ouais. Dans les problématiques que je pouvais me retrouver. Aussi du fait que quelqu'un parlait, est-ce qu'on est tous égaux ? Nous, on est quartier Moulin-Galant et c'est vrai que bon, on soulève souvent le problème avec l'association Voisin Moulin-Galant que du coup, on n'a pas assez de services... et qu'on est toujours obligé d'aller en centre-ville. Ouais. Voilà. Donc vous confirmez, c'est la question de l'égalité entre les différents quartiers, entre les habitants. Très bien, merci. Alors ensuite, Marcia se lève d'un bond. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ah ben je vous connais aussi. Vous avez dit, est-ce que le maire va tenir parole ? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce film ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Et pour vous, c'est quoi le sujet le plus important que vous avez entendu dans le film ? Je vais pas vous mentir, j'étais pas là quand vous avez diffusé le film. D'accord. J'arrive un peu en retard. D'accord. Mais ça n'empêche pour vous, de quel sujet vous avez envie ou besoin qu'on discute
dans les rencontres publiques qui vont avoir lieu pendant tout le mois de juin. Comment ? Alors, je vais me rapprocher. Il y a des problèmes de communication. Je vous demandais quel est pour vous le sujet dont il faut qu'on discute dans les différentes rencontres publiques pour que réellement tout ça soit utile. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que le maire de lui-même, est-ce qu'il va tenir sa parole ? Ouais. Est-ce qu'il va mettre en marche nos demandes ? Est-ce qu'il va les écouter pour plus tard ? Est-ce qu'il va les mettre en valeur et les utiliser pour la ville ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il le fasse, qu'il vous écoute vraiment ? Déjà, là, il a fait une bonne démarche de savoir ce que les gens de Corbeil pensent un peu. C'est déjà un grand pas pour Corbeil. Après, il y a beaucoup de choses à faire pour que tout ça marche. Il faut que les gens y croient, il faut que les gens bougent un peu et que... Et que vous soyez très nombreux à chaque rencontre. C'est ça aussi. Il faut que les gens y viennent, qu'ils s'investissent un peu aussi dans son projet, qu'ils prennent la parole, qu'ils lui... pas lui montrent quoi faire, mais qu'ils lui donnent de potentielles idées. Ok, merci. Merci beaucoup. Ah oui, alors c'est... Bonsoir, alors je vous reconnais aussi. Les questions de transport, vous en avez parlé. Ouais. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais d'abord quand même saluer la démarche de l'équipe de la mairie, parce que c'est pas dans toutes les villes quand même qu'il y a ce genre de rencontre. Donc je trouve ça très bien déjà de pouvoir nous donner la parole. Et moi, je dirais par rapport au film, c'est vrai que j'ai découvert aussi des aspects que je connaissais pas de Corbeil. Parce que évidemment, comme disait le jeune, les quartiers sont pas égaux. Voilà. Donc du coup, j'ai pu voir qu'il y a des problématiques qu'il y a ailleurs que peut-être moi je vis pas dans mon quartier. Mais effectivement, il serait bien que ce soit pas juste une rencontre de plus et que ce soit qui est vraiment le pas de plus qu'on ferait au fur et à mesure. Mais alors comment ça doit se traduire ce pas de plus? Pour vous. Ce pas de plus, c'est puisque là on nous écoute, il y aura plusieurs rencontres, donc peut-être essayer de voir s'il y a des personnes à Corbeil, des Corbeil-Saunois, qui sont volontaires pour accompagner l'équipe. Donc, sur certains projets, peut-être, je ne sais pas si c'est faisable, mais peut-être voir comment nous, on peut aussi participer et pas juste attendre que la mairie fasse, mais qu'on soit acteur aussi de notre ville, en fait. Donc, c'est ma façon de voir, je ne sais pas ce que les autres vont en penser, mais essayer de voir au niveau des jeunes, peut-être des échantillons des jeunes qui pourraient être des porteurs de projets avec les responsables de la mairie pour des actions de vie. Enfin, selon les thématiques, essayer de cibler des jeunes, des personnes volontaires qui pourraient accompagner les équipes, qui se représenteraient un peu la population de Corbeil. Enfin, je pense que ça serait bien parce qu'on ne dira pas que la mairie a fait toute seule, mais on fait ensemble, en fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Tiziri, alors, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous lever ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aussi, on vous a entendu dans le film. Vous nous avez expliqué que les tours ont été détruites et puis les parcs avec. Oui, alors je vais m'expliquer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets en fait, qui doivent être traités, comme la jeune femme a dit. Je suis un peu stressée. Allez, bien près du micro, collez bien le micro là. Mais alors... Je vis ici depuis longtemps, Corbeil-Essonnes, c'est ma vie. Alors, je voudrais bien que sur ma ville, il y a plus de lieux, en fait, que toutes les familles peuvent profiter, parce qu'il y a des personnes qui ont des voitures, il y a des personnes qui n'ont rien du tout. Et quand on sort, en fait, du bâtiment, on est vraiment sur une route ou sur un parking. Je vois beaucoup de personnes, moi, j'habite à l'Ermitage. Et oui, il y a un parc, mais dans le parc, on n'est pas en sécurité parce qu'il y a une route qui passe juste à côté. On s'est déjà rencontré avec monsieur le maire par rapport aux problèmes qu'il y avait à l'Ermitage. On a discuté, mais après, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Ils ont donné une date, par exemple. Mais les personnes qui sont là-bas, je ne suis pas la seule. Alors, si j'étais la seule, j'aurais dit que oui, c'est moi peut-être le problème. Ouais. Mais 90% d'habitants, s'ils ne sont pas contents, en fait... des lieux et de l'appartement qui vivent, ouais. Et qui déménagent. Je pense qu'il y a un gros souci à régler. Il n'y a pas que dans mon quartier, je pense.
mais comme on vit dans un, enfin, comme c'est mon quartier, je suis au courant de mon quartier. Après, les autres quartiers, je ne sais pas du tout. Ouais. Mais pour voilà. Vous, c'est le sujet dont il va falloir qu'on discute. Ouais. Il y a beaucoup de sujets, par exemple, comment je peux dire, enfin, sans enfoncer quelqu'un. Si on n'en parle pas de ces sujets-là, qu'est-ce qui va se passer, vous, d'après vous, pour Corbeil-Essonne? Pour moi, Corbeil-Essonne, ça va pas dans le futur, en fait. Je pense pas que ça va aller mieux si ça continue comme ça. Parce que les personnes, en fait, qui sont là depuis toujours, déménagent parce que ça leur convient pas, parce qu'ils sont pas écoutés. Parce qu'il n'y a personne qui les écoute. Et comme j'ai dit, on se sent délaissé parce que depuis 2017, on essaye d'expliquer en fait le souci, le problème. Mais quand on voit qu'il n'y a rien qui se passe, voilà. Très bien, merci. Alors, au fond, Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Très bien, merci. Alors... est-ce que tu trouves que la discussion est intéressante pour l'instant? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé? Moi, en fait, je suis intéressée pour faire des choses à Moulin-Galant. Il n'y a pas d'annexe, il n'y a pas de distributeur à Moulin-Galant, ce qui fait qu'on doit se déplacer autre part pour aller chercher de l'argent. Ouais. Donc... d'accord. Je voudrais qu'on mette ça à dispositif dans Moulin-Galant. Okay. Et aussi, je voudrais qu'on construise des écoles pour handicapés. Ouais. Parce que moi, en fait, j'ai une petite sœur trisomique et j'aimerais bien que on construise une école faite pour les handicapés. Pourquoi c'est important qu'une ville prenne en compte les gens qui sont différents? Qu'est-ce que ça veut dire d'une ville? Parce qu'on est tous égaux. Ouais. Ah oui, on revient à la question de l'égalité. Hein. Zacharia, tu dois être d'accord, j'imagine. On t'écoutait pas, ouais, bravo. Aussi, je voudrais parler des éclairages dans Corbeil. Ouais. Il n'y en a pas assez. Ok, merci beaucoup. Alors, ensuite, il y a monsieur qui lève la main. Ici, voilà. Alors, on y va. Et puis après, monsieur. Et puis, monsieur au fond aussi. Bonjour. Monsieur, là-bas, au fond. On vous écoute, madame. Oui, bien près de la mouche. Okay. Donc, je salue l'initiative que vous avez mise en place, que la mairie a mise en place. J'espère que les réunions de quartier seront fructueuses, car il y a quelques années, on avait eu des réunions de quartier qui n'avaient pas donné grand-chose, d'ailleurs. Pourquoi elles n'ont pas marché, ces réunions de quartier, d'après vous ? Je ne sais pas. Moi, j'y étais, mais dans mon quartier, je suis à rive droite, un petit peu au bout de la route, à côté du parc d'Arblay. Qu'est-ce qui manquait pour que ça marche ? Il n'y a pas de retour. Pas de retour. Alors, bon, ça, c'est la première chose. Ce que je voulais dire, c'est concernant les médecins. Oui, effectivement, mon médecin est parti en retraite. J'en ai appelé 13, il y a 2 ans. J'en ai appelé 13, donc il ne prenait personne en plus. Oui. Donc j'ai téléphoné à la Sécurité sociale, qui m'a dit, on va s'occuper de vous. Alors bien sûr, j'avais pris les badges internet pour téléphoner à tous les médecins. Et 15 jours après, il m'a envoyé les copies d'Internet pour que je trouve un médecin. Voilà, d'accord. Mais j'ai trouvé autrement. Et sinon, je voulais parler de la fibre. Moi, je suis chez Free. Et ils ont mis 6 mois à m'installer la fibre. Parce que le sous-traitant de Free, qui s'appelle Altitude, je crois, ouais, a mal fait le travail dans les armoires dans la rue. Vous pensez que la ville, la mairie, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, donc moi j'ai fait des lettres, voilà. Okay. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que quand on circule dans Corbeil en voiture, il y a des rues qui sont à 30 à l'heure. Oui. Et il y en a d'autres qui sont à 50. Et quand vous vous trouvez dans une rue à sens unique et qu'il y a un grand dadais de 2 mètres qui vous fonce dessus sur une patinette, eh bien, je vous garantis que ça fait peur. Donc, moi, je propose que toutes les rues soient à 30.
Très bien, merci. Alors, oui, alors il y avait monsieur qui avait un micro dans la main, donc je pense qu'il était... voilà, monsieur en noir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ? Quelles sont les choses voilà, qui vous intéressent dans ce que vous entendez et dont vous avez envie qu'on discute dans les rencontres publiques qui vont avoir lieu bientôt ? Ouais, tout ce qu'on a entendu là déjà, parce que quand on regarde le nombre de personnes qui s'est fait interroger, la plupart des personnes, elles ont le même discours. C'est que Corbeil, c'est en chute libre et ça, malheureusement, si on ne fait rien tout de suite, ça va continuer, parce que des maires, il y en a eu plein, des machins, il y en a eu plein, mais il n'y a jamais rien qui est fait. Et en même temps, on entend qu'il y a du potentiel dans cette ville. Comment vous expliquez qu'il y ait du potentiel et qu'en même temps, vous disiez, c'est en chute libre ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a du potentiel parce que les habitants de Corbeil, ils dénoncent des choses. Mais c'est en chute libre parce que ce qu'on dénonce, il n'y a jamais rien qui est fait. Moi, par exemple, près de chez moi, il n'y a pas de parc. Je ne suis pas sûr que dans les 2 années à venir, il y a un parc. Personnellement, j'habite là. Moi, si je peux déménager, je déménage. Quel quartier de Corbeil vous habitez ? Après Soir-Prompte, à côté de Moulin-Galant. Ok. Ben merci beaucoup. Pas de souci. Alors, monsieur, bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont très intéressantes. Je ne reviendrai pas sur ça. Je reviendrai juste sur la dernière intervention qui était intéressante. Une dame qui nous disait à la fin que c'est long, que les choses n'avancent pas beaucoup. Ça avance doucement. Ce qui m'interroge avec la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on est au bout de 3 ans, sur un mandat de 6 ans, et on en est à nous demander ce qu'on va faire pour la suite. Il me semblait qu'un mandat, c'est 6 ans, et donc sur 6 ans, le temps passe vite. Effectivement, il faut avoir un programme et le mettre en œuvre assez rapidement pour qu'il puisse être fini à la fin. Aujourd'hui, on a mis mandat, et on vient nous dire à nous, Corbeil-Essonnois, quoi faire. Ça m'interroge. Donc la finalité de ma question, c'est pourquoi cette réunion ? Est-ce qu'il y a un programme à venir et à nous présenter ? Ou est-ce que c'est pour demander aux habitants quoi faire parce qu'on ne sait pas quoi faire ? J'ai l'impression qu'aucune des deux réponses, vous irez. Non, je veux une réponse, après à laquelle, peu importe. J'aimerais avoir une réponse. Ensuite, ce qui me dérange un peu avec cette réunion, c'est son opportunité. Il y a quelques mois, à peine 2 ou 3 mois, on a voté l'augmentation des impôts à Corbeil. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'ici dans cette salle, personne n'a été convié à une réunion pour en discuter. Personne n'a eu l'occasion d'en débattre. Personne n'a eu l'occasion d'exprimer son point de vue là-dessus. Et une fois que c'est passé, eh ben, on convie les habitants pour vous dire quoi faire avec votre argent. C'est bien, c'est une bonne chose, c'est une évolution. Mais c'est peut-être un peu tard. Et si cet argent en plus était pris pour faire des bonnes choses, ce serait bien. Aujourd'hui, on avait une explication sur Facebook de M. le maire qui nous expliquait que M. voulait alors faire des réunions publiques pour ne pas dépenser trop d'argent sur un bulletin municipal qui coûterait beaucoup d'argent. Et ouais. Aujourd'hui, on est sur des réunions qui coûteraient, je sais pas, peut-être 10 ou 20 fois plus que ce que coûterait un bilan de mi-mandat classique. Donc, okay. Pourquoi ? Pourquoi la mise en œuvre d'un tel procédé aussi faramineux ? On nous dit que on garde les questions et puis tout à l'heure, Bruno Piriou apportera des éclaircissements. On continue la discussion. Alors, il y a plein de mains qui se lèvent. Alors, voilà, monsieur, et on ira au fond après. Je vous ai vu, vous inquiétez pas. Bonsoir. Bonsoir, donc je suis Jérôme, je viens du quartier Rive Droite. Donc moi, j'ai trouvé que le film était très intéressant. Il y a beaucoup d'idées qui se ressemblent. Et le problème est, pour moi, un des points les plus intéressants, ça serait de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a plus de parc. D'accord. C'est un des trucs qui me gêne. Moi, j'ai la chance d'habiter en face de la Seine. J'ai une vue super le matin quand je me lève, mais je ne peux pas aller traîner sur les bords de Seine, ne serait-ce que pour aller marcher ou me dégourdir les jambes. Et un des points aussi qui me gêne, c'est la sécurité routière. On a parlé tout à l'heure, il y a une dame qui a parlé d'une route à côté d'un parc. Moi, j'ai la malchance, on va dire, d'habiter devant une superbe ligne droite. Et malheureusement, il n'est pas rare de voir des voitures qui déboulent à plus de 50 km/h. Et puis, je ne parle pas d'essayer de traverser. C'est encore autre chose. Très bien. Et vous sur les parcs, dans le film, vous parlez des promoteurs, du fait que voilà, vous avez eu la sensation, justement, que la ville a été, comme vous l'avez dit, livrée aux promoteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Est-ce que vraiment la ville a le pouvoir pour maîtriser ce genre de choses ? Bah déjà, essayer d'arrêter de vendre dès qu'il y a un terrain qui se libère, essayer d'arrêter de le vendre à un promoteur.
D'accord. Pourquoi pas essayer de refleurir, mettre un petit peu de gazon, des arbres, c'est un peu plus sympa quand même que de voir que du béton. Ok, merci. Alors on va aller au fond. Il y a Tiziri. Oui, et on va aller de l'autre côté juste après. Alors allez-y. Alors, on vous entend bien, mais on va vous en donner un quand même pour pas que vous fassiez mal à la gorge. Allez, on va lui donner. Alors, on va quand même vous donner un micro. Allez-y. Par rapport au film, qu'est-ce qu'on en pense ? Parlez quand même par le micro, sinon vous allez vous allumer la voix. Ce film pose beaucoup de questions. Oui. Je pense qu'ici, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a des solutions. Les questions, c'est une chose, les solutions, c'est la réalité. Là, je constate, j'entends des gens qui posent des questions pour parce que la voiture elle roule trop vite dans leur quartier. Il y a des élus de quartier. Adressez-vous à vos élus de quartier pour poser ces petites questions locales. C'est là qu'il faut les régler. C'est vrai que. Par exemple, à l'occasion de 9 rencontres publiques. J'habite à Chantemerle et je n'ai jamais vu l'élu qui s'occupe du quartier de Chantemerle. Bon, peut-être que c'est une erreur de ma part. Là, ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, une ville qui va vivre, c'est une ville où il y a du travail. S'il n'y a pas de travail, la ville ne peut pas vivre. Le premier engagement qu'il faut faire et aider de toutes nos possibilités, y compris quand il se construit des immeubles nouveaux, dans ces immeubles, il faut, à mon avis, essayer d'imposer des locaux pas commerciaux, des locaux pour des start-up, où des gens pourraient venir travailler, créer quelque chose, créer des choses. J'ai l'impression qu'il y a quelques... Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire tout de suite. Maintenant, je crois qu'il y a un monsieur qui a parlé de l'augmentation des impôts à Courbeil. C'est vrai que c'est jamais rigolo quand des impôts augmentent. Mais quand ils ont été bloqués pendant des années et qu'on a fermé pour ne pas augmenter les impôts, les classes de neige, les classes de mer, et qu'on a réduit les vacances, qu'on a supprimé les classes de campagne. Je ne parle que des enfants, je ne parle pas des autres. Évidemment qu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas besoin d'augmenter les impôts, on diminuait les activités. Si on veut qu'il y ait des activités comme tout le monde le demande, le pognon ne tombe pas du ciel. Il tombera parce qu'il y aura peut-être une augmentation d'impôts, et aussi parce qu'on créera des emplois sur la boîte, sur la ville, et qu'il y aura des rentrées financières plus importantes. Voilà ce que j'avais dit. Merci beaucoup. Alors, allez-y. Bonsoir. Bonjour, Jean-Pierre Fouad. J'habite en fondation d'Asso Corbeil-Essonne. Est-ce que c'est possible faire quelque chose? Qu'est-ce que c'est pour le parti, pour les vacances d'été, pour le Marc-Carson? D'accord. Très bien. Mais je crois que ça rejoint ce que monsieur vient de dire. Merci. On continue. Alors, juste ici, madame, ça fait un petit moment que vous levez la main. Je me lève, je parle. D'accord. Et voilà, oui, bonjour, vous levez, vous parlez. Je me lève, je parle. C'est d'accord. Aussi simple que ça. Vous parlez bien dans le micro, par contre. D'accord. Je vais peut-être un peu redire tout ce qui a été dit, notamment sur Moulin-Galant. Alors, bien dans le micro. Sur Moulin-Galant, oui, pardon. Hein, notamment sur Moulin-Galant, parce que j'y habite. Je trouve que c'est un petit quartier très sympa. Et alors, depuis qu'on nous a fait quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'étoile de Viry-Châtillon, Corbeil, etc., on prend le train à Moulin-Galant, obligé de descendre, de changer à Corbeil pour aller à Paris. Donc, j'en ai déjà discuté avec monsieur le maire. Il était question de faire quelque chose, mais pouf, 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 rien du tout. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. La ligne S, qui va durer 31 minutes... Ouh, ça va être un petit peu compliqué. Il y a ça. À Moulin-Galant, il n'y a plus, comme disait le jeune homme, de maisons de quartier, de maisons jeunes. Donc c'est tout vide, tout vide. Il n'y a pas d'espace vert non plus, parce que des parcs de 500 mètres carrés, pour moi, ce n'est pas un parc. On avait promis un très grand parc dans la rue de la Papeterie, ça s'est réduit à 500 mètres carrés. Donc c'est vraiment rien du tout. Et je trouve que l'écologie, c'est quand même vachement important. L'Essonne qui est là, qui est à partir du mois de juin pleine d'herbes,
on devrait focarder, on ne le fait pas, ce qui fait que ça ne coule pas, ça s'envase, et c'est vraiment dégoûtant. Donc on aurait... le CIARS a été prévenu, mais le CIARS ne s'occupe pas de l'amont, de l'aval, du milieu. C'est très problématique et ça n'avance pas. Après, il y a aussi la fibre à Moulin-Galant, avec les armoires, mais qui sont ouvertes complètement. Hein, oui, la fibre, et je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Bon, hein, voilà. Bon, les armoires sont complètement ouvertes, ou alors les portes tiennent avec du scotch. D'accord. Ça, c'est un petit peu compliqué. Voilà, hein. C'est un petit peu compliqué. Et puis après, je vais peut-être laisser ma place à quelqu'un. Oui, on va continuer. Parce que on va essayer d'aller, de pas aller plus loin que 8h30 pour que vous avez tous des vies et qu'à un moment donné, on va pas passer toute la faire trop long. Donc, n'hésitez pas à lever la main, ça passe très vite. Donc, allez-y, monsieur. Bonsoir. Oui, monsieur Maugret, j'habite donc les Coquibus. D'abord, je voudrais faire un préalable. Déjà, bonjour, monsieur le maire. C'est quand même... d'autre part, donc j'habite les Coquibus et je voulais faire un préalable. Tout n'est pas quand même en rapport avec les difficultés spécifiques de Corbeil. Depuis 7 ans, on a ignoré les corps intermédiaires. Et je pense que ça joue un rôle. Oui, je disais que depuis quelques années, on a, enfin 7 ans exactement pour être précis, on a mis de côté les corps intermédiaires, donc les maires, les députés, enfin etc. Donc tout ça, le fonctionnement, les relations verticales ne sont pas terribles. Deuxièmement, je voudrais faire une remarque sur l'absence de poumons verts à Corbeil. J'ai un exemple juste à côté de chez moi, route de Lys, d'un grand terrain qui certes appartenait à un privé, mais qui a été racheté brutalement par un promoteur venu d'on ne sait où. Qui a bétonné tout ça, puisque les maisons en question n'ont même pas de système de pénétration de l'eau. Donc on va se retrouver avec de l'eau qui va ruisseler, hein, et puis ce beau parc, puisque c'était presque un parc, a été supprimé. On a arraché des arbres centenaires dans ce truc-là. Et je pense qu'une résidence pour personnes âgées eût été... souhaitable, mais voilà, c'est trop tard. Et puis deuxièmement, je voulais parler d'un côté culturel. On a la chance d'avoir un théâtre absolument splendide. À mon avis, s'y passe pas grand-chose, en tout cas pas de manifestation vraiment populaire. J'ai le souvenir de théâtre de Corbeil qui s'appelait à l'époque Pablo Neruda, qui programmait des compagnies, des gens très intéressants. Voilà. Et puis troisièmement, je vais finir par là parce que ce sont des amis et parce que je suis membre de l'association. Hein, parce qu'il y a des rencontres publiques, oui. Gardez-en sous le pied. Hein, on n'est pas voilà. Voilà. C'est pas ce soir, c'est pas le moment de tout dire. Hein. Il y a juste une petite chose et je terminerai par ça. Je fais partie de l'association Mémoire et Patrimoine Vivant. Et on a fait un constat de la rue de Paris avant et après, de la rue Notre-Dame avant et après, etc. Il y a un quartier de résistance, si j'ose dire, c'est la place Saint-Léonard, où il y a une vraie petite vie de quartier avec une libraire qui est la seule à Corbeil maintenant qui résiste courageusement, avec une excellente pâtisserie, je ne fais pas la pub, mais c'est la seule qui fait du travail correct, une petite supérette sympa, voilà, il résiste. Voilà. Merci. Donc il faut absolument que la vie de quartier revienne. Alors, juste à côté de le vous... Le commerce, et comme disait monsieur, les industries. Très bien. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, il y a deux... Voilà, il y a une interférence. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais juste me présenter. Je n'ai pas grandi à Corbeil. Ça fait 10 ans que j'y habite. Je suis venue ici un peu par hasard. Au début, franchement, j'étais une habitante comme une autre. Ce soir, je suis venue un petit peu par hasard. Je voudrais qu'on parle de solidarité. Je suis venue ici parce qu'en fait, il y a 2 jours, il y a eu un projet auprès de l'école de la nacelle, de la maternelle, de la primaire, où justement, on voulait sensibiliser les gens à venir à pied. En fait, il y avait le maire qui était là. Franchement, il y a 10 ans, j'habitais dans un village de 300 habitants. Je vous garantis que j'ai jamais vu autant le maire de 300 habitants que ce maire-là. Et je vous arrête tout de suite, j'ai pas voté. Je suis désolée, j'ai pas voté.
Je voudrais vraiment qu'on repart sur la base. On est tous là en train d'échanger. Oui, il y a plein de choses qui vont pas. On va parler de fibres, peu importe. Mais en fait, si déjà à la base, nous, on n'arrive pas à échanger juste entre nous, on parle de quartier. Moi, je saurais pas vous dire de quel quartier je fais partie. Mes enfants vont à l'école de la Nacelle, mais j'habite près de la Nationale. Je ne fais pas partie d'un quartier, je fais partie de Corbeil-Essonne. Juste que, au moins, on reparte de la base de s'écouter, de s'échanger. Moi, je suis venue ici, en fait, je ne savais même pas qu'on allait parler de ça. Je voulais juste faire partie d'associations pour améliorer la ville, tout simplement. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, il y avait quelqu'un qui... voilà. Bonsoir. Allô, allô. Ça marche. Okay. Bonsoir. Je vous reçois. Je me présente. Moi, c'est Saïd Mantimoa. J'habite à Moulin-Galant. Je suis de Corbeil. J'ai l'histoire d'être Corbeil aussi. Ça fait maintenant, je pense, ça doit faire 11 ou 12 ans. Voilà. Donc, Corbeil, c'est la ville de tout le monde ici. Je suppose que tout le monde aime Corbeil. Parce qu'on est, enfin, aimer, c'est un grand mot. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Et je veux rejoindre sur Moulin-Galant. Donc, oui, on a une maison de quartier. Oui, sauf que la maison de quartier, je veux le dire très clairement, elle est en piteux état. Il faut des rénovations, on accueille des enfants, on accueille des jeunes. Je suis en service civique là-bas et on accueille des jeunes dans un lieu où faut rénover quoi. Les volets qui se ferment pas, plein de choses, pas d'alarme, tout ce qui fait que de mettre en sécurité les enfants. Ensuite, je parlais de quoi? Je parle beaucoup. Dans le film, vous avez parlé de l'histoire. Oui, ça c'est sûr. Ouais, dans et de le la film, fierté. Dans le film, oui, c'est sûr. Il y a quelque chose qu'on doit récupérer dans Corbeil. Parce que Corbeil, avant, c'était quelque chose que. Je sais pas, il y a l'histoire. Comme là, on est à côté du moulin. Il est là-bas. Ouais. On est à côté du moulin. Donc voilà, donc le moulin, ça a une grande histoire aussi. Mais avant de parler de cette histoire-là, il faut quand même parler des habitants qui sont dedans. Et il y a des habitants qui souffrent et qui le disent. Et qu'on ne les réponde pas, comme des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont considérées comme personnes handicapées et qui habitent dans des appartements en piteux état. On peut porter plainte, ils peuvent porter plainte, ils peuvent déposer des plaintes à ce que, oui, on vienne regarder les états des lieux et tout le reste, c'est sans réponse. Et ça, je le dis à quatre personnels et pour toute personne ici, il y a des endroits, il y a des appartements horrible. Alors, vous allez participer aux rencontres publiques, j'imagine, qui vont avoir lieu. Oui. Vous en attendez quoi et à quelles conditions elles seront vraiment utiles, ces rencontres publiques qui vont être organisées? Moi, déjà, j'espère pour ces rencontres publiques qu'on va nous écouter. Je demande juste à ce que Corbeil soit écouté, à ce que chaque personne, que ce soit le jeune qui ait parlé, que ça se voit du plus vieux au plus petit, chaque parole, qu'elle soit écoutée et prise en compte. Ok, merci beaucoup. Alors, au fond, là-bas. Bonjour, moi je m'appelle Amandine, donc je suis éducatrice à la Société Philanthropique, j'allais dire Fondation Serge Dassault, parce que c'est comme ça qu'on s'appelait avant. Je voulais prendre la parole pour dire que c'était important aussi d'entendre les personnes en situation de handicap qui vivent à Corbeil, parce qu'elles sont citoyennes à part entière tout autant que les autres. Et donc nous, on aimerait en fait que ce public soit encore davantage reconnu, parce qu'il y a des structures publiques qui nous accueillent, il n'y a pas de souci, le théâtre, je sais qu'ils nous font des tarifs et tout, c'est super. Mais on aimerait vraiment que lorsque vous prenez des décisions pour la ville, vous pensiez aussi à ces personnes, notamment au niveau de la sécurité. Il y a des choses qui seraient à revoir au niveau des passages piétons, au niveau du trottoir de la N7, là où passent les bus. Parce que c'est dangereux, le trottoir est beaucoup trop bas, il faudrait que la chaussée soit réélevée. Il y a des risques de chute, surtout pour nos publics, ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Ça dit quoi d'une ville qui ne prendrait pas en compte les personnes en situation de handicap? On sait qu'ils sont déjà pris en compte, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils le soient encore plus et que vraiment, il y ait de l'inclusion qui soit faite. Pourquoi c'est important, même pour cette ville, et pour ce qu'elle est, et pour la manière dont elle se vit? Qu'est-ce que ça va
Bah parce qu'ils vivent là aussi, eux, ils ont besoin de sentir qu'ils sont inclus. En fait, il faut vous dire que la plupart d'entre eux, au niveau de l'autonomie, ils n'ont pas la même autonomie que les gens voilà, lambda. Donc, quand il n'y a rien à disposition pour eux, par exemple, des endroits où passer des bons moments, où s'amuser le soir, etc., dites-vous bien qu'eux, ils n'ont pas la possibilité de prendre leur voiture et d'aller dans une autre commune ou sur Paris. Donc, en fait, c'est très important que la ville puisse proposer des choses pour eux. Vraiment, voilà, dans son centre. Okay. Je peux leur passer rapidement le micro juste pour qu'ils disent quelques mots. Bien sûr, bien sûr. Alors là, c'est Fouad qui va parler. Bonsoir, Fouad. Bonsoir. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le film, dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, et qu'est-ce que vous espérez, vous, pour l'avenir de cette ville ? En fait, on a besoin pour aider pour les marsans. Alors, essayez de parler bien dans le micro. Pour les vacances. D'accord. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pouvoir avoir des loisirs, des vacances, partir. Des loisirs, et puis aussi, ce qu'il disait, c'est que, en fait, avant, c'était le conseil départemental qui finançait leurs vacances d'été. Depuis quelques années, ils ne financent plus. Ce qui fait que chez nous, les jeunes qui ont peu de moyens, maintenant, ne peuvent plus partir en vacances. D'accord. Je sais que dans les villes, souvent, il y a des dispositifs qui permettent aux jeunes de partir en vacances. Et nous, on aimerait aussi que ça puisse être proposé pour nos jeunes, pour nos résidents. Voilà. Et en tout cas, on va faire en sorte que cette question-là soit au cœur aussi des discussions dans les rencontres publiques. Et puis, on va continuer la discussion. Alors, est-ce qu'on peut donner un micro à madame ? Prenez le micro, s'il vous plaît. Madame, oui, pardon. Ouais, sinon, on vous entend. En ce moment, puisqu'on parle des handicapés, il y a une rénovation qui se fait au Palais des Sports, et c'est très bien. Mais moi, je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui est envisagé pour que les personnes handicapées ne soient pas obligées de monter deux étages d'escalier pour pouvoir, par exemple, pratiquer de la gymnastique, ou du yoga, ou peu importe. On va garder la question et on va continuer la discussion. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Nadia. J'habite à Corbeil il y a 10 ans que je suis ici. Parlez bien dans le micro. J'habite à Corbeil, ça fait 10 ans. Je suis une maman de 5 enfants, dont un enfant handicapé à trisomie 21. Je suis d'accord avec ce qu'elle a proposé la dame tout à l'heure. Donc, par rapport à loisirs pour les enfants atteints un handicap, là, quand j'ai eu Yasmine, je me suis retrouvée devant l'inconnu. Donc, j'ai cherché partout à côté de moi pour que je trouve des familles qui sont pareilles que moi pour demander comment ça se passe. J'ai pas réussi à trouver ça. Ils m'ont dit à Brétigny, si vous voulez avoir une association qui se situe à Brétigny ou à Arpajon ou je sais pas où, mais à Corbeil, non. J'ai cherché partout, mais on dit qu'il n'existe pas. Si vous voulez, par exemple, être au camp, j'ai dit oui, je suis au camp, ou à l'hôpital, mais par rapport à ça, j'ai rencontré beaucoup de familles qui sont, on peut dire, étrangers, parce qu'ils ne savent pas parler français et qui ne comprennent rien par rapport à ce qu'ils ont, leur enfant. Donc, ils sont devant les éducateurs et l'éducatrice. Mais quand je demande à la maman, est-ce que tu as compris ce qu'elle t'a dit, la femme, elle me dit non, je ramène mon fils ici, mais je n'ai rien compris. Donc, j'aimerais bien avoir, par exemple, des responsables qui vous sentiez soutenu, en tout cas. Voilà. Et pour surtout des endroits, comme elle a dit, la dame, pour les loisirs et tout ça, pour les enfants qui sont en situation d'handicap. Très et bien, par rapport merci. À ce qu'il a dit mon fils, à côté Moulin-Galant, là, je vois que le quartier Moulin-Galant est un quartier sinistré, vraiment. Donc, on est comme si on est soit avec Ormois, soit avec Mency, soit avec Corbeil, parce qu'il est situé au milieu, à la fin de la ville de Corbeil et au début de la ville de Ormois. Donc, du coup, donc, on vous se retrouve, vous il n'y a pas d'annexe par rapport, il habite à côté de moi, 3 grand-mères, donc, qui, par exemple, une grand-mère qui a 83 ans, elle me dit, j'ai eu du mal pour y aller jusqu'au Corbeil pour chercher de l'argent, donc il n'y a pas d'annexe par rapport à la banque ou une annexe pour la mairie. Donc, j'aimerais bien que sensibilise ce genre de choses. Et je très remercie bien, beaucoup, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut donner un micro à ce jeune homme ? Merci, bonne soirée. Bonsoir, merci beaucoup.
Alors moi, du coup, c'est Riyad. Je viens de Moulin-Galant, donc quartier de Corbeil-Essonnes. Moi, j'aimerais revenir sur le côté un peu plus noir de Corbeil-Essonnes. Donc je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. C'est les rixes entre quartiers, en fait. Vraiment, je trouve que c'est un problème qu'on devrait vraiment prendre en compte. C'est le respect qui manque entre les plus jeunes et les plus grands, qui avant, il y en avait un minimum. Maintenant, ça a totalement disparu. Et c'est un peu le crève-cœur de Corbeil-Essonnes pour moi. D'accord. Okay. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce que la dame a dit tout à l'heure, nouvelle à Corbeil-Essonnes, j'ai envie de faire partie de Corbeil-Essonnes, mm-hmm. pas d'un quartier. Exactement. En fait, ouais. C'est pas forcément... Il y a forcément des spécificités selon les quartiers. Ça, ça va pas changer. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde puisse se mélanger et se sentir en sécurité. En fait, Corbeil, c'est une ville qui a beaucoup de potentiel. C'est ce que tout le monde pense ici, à mon avis. Ouais. On donne tous chacun notre avis. Mais pour moi, le côté RIX, c'est vraiment tout ce qui gâche, en fait. C'est le truc qu'il faut prendre en compte le plus rapidement possible parce que c'est vraiment la sécurité, c'est le bien-être à Corbeil-Essonnes et c'est surtout de la violence gratuite. En fait, le fait de socialiser les plus jeunes, les éduquer à devenir des gens meilleurs dans le respect. Donc une des conditions de la réussite de ces rencontres, c'est qu'à chaque rencontre, il y ait des habitants de tous les quartiers, y compris des Tarterets, de Montconseil, etc. Exactement, en fait, c'est les faire participer. Parfait, merci. Alors, derrière, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je voulais dire que, par exemple, moi, j'habite à l'Ermitage. À l'Ermitage, il y a un seul parc, mais je trouve qu'il n'est pas en sécurité. Il y a des barrières cassées, les petits, ils sortent, ils vont un peu partout. Il y a la route et tout. Et du coup, les petits ne sont pas en sécurité. Aussi, avec les risques qui se passent dans les quartiers et tout. Par exemple, la dernière fois, on avait organisé un barbecue. Il y a eu les jeunes qui sont venus se battre avec des marteaux et tout. Du coup, les petits, ils étaient traumatisés. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de petits qui ne veulent plus sortir. Les mères, les mamans, elles ont peur pour leurs enfants. Ensuite, les paliers d'escalier... celui qui se charge de nettoyer, il passe, on va dire, une seule fois dans la semaine. Les paliers d'escalier sont tout le temps sales. Il n'y a pas assez de lumière dans les bâtiments, devant les bâtiments. Par exemple, aussi pour les appartements, ma mère, elle a appelé plusieurs fois Marie-Louise. Et en même temps, dans le film, vous dites c'est super, Corbeil. Oui, en fait, c'est super, mais je n'ai pas parlé beaucoup de points négatifs. Ouais. Et du coup, pour les appartements, ça n'a pas beaucoup avancé. Ma mère, elle a appelé plusieurs fois. Il n'y a rien qu'à changer. On ne dit pas qu'on veut le meilleur des appartements, mais qu'au moins, ils puissent faire quelque chose pour qu'on puisse trouver un appartement pas très loin. De, là aussi, c'est une question d'égalité. Voilà, d'égalité et tout. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est ce que j'avais à dire. Super, merci beaucoup. Alors, madame, et puis on va se donner encore 5 minutes. Il y a monsieur, il y a le jeune homme là-bas. Une dame qui s'agite au fond. On se donne 5 minutes et après, on fera la conclusion. Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis de Rive Droite. Et donc, bon, encore l'histoire des parcs. Skatepark. Madame, elle parle d'un skatepark. Non, nous, en fait, le problème, c'est... j'avais rencontré déjà un élu où j'en avais déjà parlé. Le problème, nous, c'est pareil, les parcs. On n'a pas de parc. Enfin, on a deux parcs au bout, mais en fait, c'est des parcs à chiens. D'accord. C'est, on va avec les enfants, il y a du caca partout. Qu'est-ce qui va se passer pour Corbeil si ça continue comme ça? Et pour la rive droite? Si ça continue. On va tout droit dans le mur. Il n'y a rien pour les enfants, en fait. On peut rien faire avec les enfants. Sur Corbeil, en fait, moi, quand là, il y a les beaux jours, moi, je prends les enfants et je pars sur Orly ou je pars. Donc, dans les rencontres publiques qui vont avoir lieu, il va falloir parler de la jeunesse, des jeunes, des enfants. On a la chance d'avoir un beau parc d'arblés. Enfin, ouais. Un beau, entre guillemets. On a la chance d'avoir un parc d'arblés. Le parc, il n'est pas entretenu. L'herbe, ouais. Elle est comme ça. On a fait une sortie avec la classe de ma fille, avec la maternelle, dans le parc. On a voulu faire une sortie là-bas. L'arbre, elle est comme ça. Ouais. L'herbe, elle est comme ça. Le parc, il est sale, il n'est pas entretenu, il n'y a rien. Là encore, aujourd'hui, je suis partie chercher ma fille à l'école à 16h30. Pour rester en bas de la maison, je m'assois, on est obligé de s'asseoir sur le trottoir parce ouais. qu'on n'a rien en bas de la maison. Okay. On s'assoit sur les trottoirs, on n'a pas de banc. En fait, ils ont rénové les bâtiments. Avant, on avait des bancs. Avant, ils ont rénové les bâtiments, ils ont enlevé les bancs, ils n'ont plus rien remis.
Donc maintenant, on s'assoit sur les trottoirs et on n'a rien. On n'a plus rien. Ok. Voilà. Eh bien, on en parlera dans toutes les rencontres de la jeunesse, de ce qu'il faut leur apporter pour qu'ils se sentent bien et puis pour vous aussi. Alors, on continue. Alors, donc, dites-moi, monsieur, bonsoir. 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 Moulin Galant. Comment ça vous plaît, Galant, oui. Je m'appelle Moadel Moïse, je suis de Moulin Galant. Et je voudrais revenir sur quelques petites, comment dirais-je, qu'ils ont dit les jeunes. Effectivement, la maison de quartier, il n'y a pas grand-chose. Récemment, c'est moi qui ai donné un fauteuil. Il n'est pas vieux, il n'était pas neuf, il n'était pas vieux. C'est moi qui ai donné le fauteuil pour la maison de quartier, parce que j'avais la possibilité d'en changer. C'est une parenthèse. Vous attendez quoi de ces rencontres publiques, vous, justement, j'allais y venir. En fait, tout, moi, personnellement, pour ne pas déplaire à certaines personnes, cette concertation, je la trouve super, parce que s'il n'y a pas de concertation, on ne peut pas avancer. Après, c'est une durée de compréhension de chacun, de part et d'autre. Cette concertation, c'est bien. Je pense qu'il faut se rendre compte, il y a du travail. Si on se met à la place de la mairie, des gens de la mairie, des élus, il y a beaucoup de travail. Moi, ma question à moi, c'est quelle sera la priorité après toutes ces concertations, ce qui m'importe, par quoi vous allez commencer? Et surtout, ce qu'on n'a pas du tout parlé, c'est comme une mairie, c'est comme une maison, c'est comme une société. Il faut des sous. Où allez-vous chercher les sous? Est-ce que vous allez passer par le fonds européen, départemental, l'État? Comment ça va être pour pouvoir arriver à faire tous ces projets qui nous tiennent tous à cœur? C'est plus ça qui me pose question. Parce qu'on a beau dire il faut faire, mais s'il n'y a pas de sous, on ne pourra rien faire. Merci. Merci. Alors, madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle Axel, enchantée. Désolée pour mon petit garçon qui a beaucoup d'énergie. Ça fait bientôt 6 ans que j'habite à Corbeil. J'ai un peu voyagé dans tout Corbeil. Et là, j'ai atterri à Moulin Galant, moi aussi. Et j'aimerais parler d'un sujet dont personne n'a parlé, c'est la prévention, puisque je suis une jeune maman. Et j'ai aussi des neveux et des nièces qui vont à l'école. Et je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de prévention pour déjà leur propre sécurité, hein, aux enfants, leur apprendre les bonnes choses, bien sûr. Et aussi faire la prévention auprès des parents, puisque je pense qu'il y a des parents qui sont de plus en plus perdus au niveau de l'harcèlement, etc., etc. C'est quelque chose qui est très, très important pour moi, parce que j'estime que la jeunesse, les enfants, c'est l'avenir. Donc si on ne leur apprend pas les bons gestes, notamment aussi l'écologie, hein, je suis un petit peu embêtante, mais voilà, il faut en parler, et la propreté auprès des écoles, surtout, enfin que les parents qui viennent récupérer leurs enfants avec des animaux, etc. Moi-même, j'ai 2 chiens et j'ai toujours fait attention à ne pas les laisser uriner auprès des écoles. C'est des petits gestes que je pense tout le monde est capable de faire et qu'il faut verbaliser et remettre sur le tapis. Voilà. Merci. Ah, apparemment, il y a des gens qui sont d'accord avec vous. Alors, on va terminer. Il y a monsieur qui voulait s'exprimer. On va prendre encore une ou deux prises de parole. Monsieur, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Oui, excusez-moi, je ne vais pas me lever parce qu'il n'y a pas de problème. Handicapé, comme on a pas mal parlé de handicap. Alors, plusieurs choses. La première, on se pose des questions sur le devenir de ces réunions. Ben, elles vont être ce qu'on va en faire le maire et les élus. Est-ce que vous allez en faire vous aussi? Est-ce que nous allons en faire? Vous inquiétez pas, je ne suis pas habitué quand je prends la parole à me taire. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est une opération de com ou si on donne vraiment la parole aux habitants, est-ce qu'on va les écouter, les entendre et prendre en considération ce qu'ils ont dit au niveau du diagnostic, puisqu'ils habitent leur propre zone de Corbeil-Essonne? Je ne veux pas parler de quartier, parce que moi aussi, je suis pour que Corbeil soit une ville, mais ça, on le saura en septembre. Deuxième chose, aujourd'hui, tous les territoires de France et du monde entier travaillent sur la résilience au changement climatique. C'est le plus grand défi auquel les élus sont confrontés, bien avant le développement économique et tout le reste. Qu'est-ce qui est prévu à Corbeil-Essonne pour adapter la ville au changement climatique
ou pour atténuer les effets du changement climatique que tout le monde a connu l'année dernière quand il a fait 41 degrés et qu'on a eu 5 épisodes caniculaires. Et cette année, croyez-moi, ça va être pire. Cet été, on en reparlera au mois de septembre. Ensuite, la question qui se pose, c'est aussi au niveau du handicap. Alors, cette ville n'est absolument pas adaptée au handicap. Je connais bien la question et je m'en suis occupé à Corbeil-Essonne. Où en est l'agenda d'accessibilité programmé? C'est le programme de mise à niveau des équipements publics pour tous les handicaps. Il a été voté en 2016. Où en est-on de sa réalisation? Puisque j'entends qu'il y a encore pas mal de problèmes pour accéder à certains espaces. Et surtout, où en est-on du PAV, du plan d'accessibilité de la voirie et des équipements publics, qui normalement devrait être effectif depuis janvier 2009. Ça fait 14 ans, 14 ans d'illégalité. Vous savez que 40% de la population est ou sera handicapée. Et on en revient aux questions d'égalité. Que et on en revient, oui, mais ça c'est une égalité au niveau du territoire complet. Ouais. C'est pas une inégalité entre quartiers. Ouais. Tout à fait. Parce que si vous essayez de vous déplacer dans Corbeil, moi je peux vous dire, je suis vraiment devenu handicapé. Croyez-moi, c'est pas simple. Je vous crois. Je voulais répondre aussi à deux, trois questions d'urbanisme. Alors, j'ai terminé. J'ai entendu la personne qui parlait de l'infiltration là. Je peux vous dire que c'est impossible qu'on ait pu construire ou en accorder des permis de construire illégaux parce que le PLU impose, et c'est moi qui ai écrit le règlement d'assainissement, impose l'infiltration à la parcelle. Donc s'il n'y a pas eu d'infiltration à la parcelle, le permis de construire est illégal. Ça, c'est un premier point. Et pour répondre au monsieur qui demandait si on pouvait faire quelque chose sur les constructions, ben bien sûr, le plan local d'urbanisme règle ces choses-là. Faut-il encore une volonté politique? Faut-il encore concevoir que la ville puisse être différente? Ouais. Faut-il ne pas vouloir créer des îlots de chaleur, puisqu'on parlait d'adaptation au changement climatique, et créer des îlots de fraîcheur, revégétaliser, débituminer? Est-ce qu'il y a un programme pour casser les cours d'école, par exemple? On va vous inviter aux rencontres, et puis ensuite aux ateliers de propositions, parce que vous avez plein de propositions à faire. Oui, merci beaucoup. Métier. Je vais me tourner vers le maire Bruno Pierrioux, parce que on est déjà rentré dans le vif du sujet. Hein. C'était un galop d'essai ce soir, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de débats qui ont été ouverts. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette soirée et qu'est-ce que ça vous dit de la suite? D'abord, je voudrais vous remercier pour vos interventions et la sincérité de vos interventions parce que ça ne va pas de soi. Et donc, d'abord, merci. Deuxièmement, si c'était une opération de com', on ne serait pas malin. Réunir l'équipe municipale, on était 250 ce soir, réunir 250 personnes pour dire ce que vous avez dit, à savoir à Corbeil-Essonne, le handicap, ça ne va pas, la fibre, ça ne va pas, l'emploi, ça ne va pas, les quartiers divisés, ça ne va pas, les RIX, ça ne va pas, le handicap, ça ne va pas, on serait pas très bon en com', quoi. On fait ce travail, donc c'est pas une opération de com'. C'est un travail parce que nous avons la conviction que sur tous ces sujets complexes, on peut faire quelque chose sur toutes ces questions. Toutes ces questions. Complexes parce que y a des questions qui relèvent complètement de notre compétence. Les parcs dans la ville, c'est nous. La qualité des écoles, du bâti, c'est nous. Plein de questions comme ça, on ne se défile pas, c'est nous. C'est nous, avec un budget qu'on a contraint, et on aura l'occasion d'en reparler parce que ce soir, c'est un lancement, et un budget contraint donc, qu'on subit, hein, et ça ne s'est pas arrangé ces dernières années, donc ça renvoie à des questions nationales, c'est que les communes... Elles sont en première ligne pour celles qui se lancent dans le débat, comme on le fait ce soir. Hein. Il y en a, elles ne le font pas. Elles sont de toute façon toutes en première ligne, avec d'ailleurs un débat national aujourd'hui
des maires ou des élus qui se peuvent être aussi victimes de violences, parce que c'est le premier qu'on peut attraper, et donc tout lui tombe dessus. La galère du RER, on nous tombe dessus, c'est la compétence de la région et de l'État et de la SNCF. Mais jamais, tant que je serai maire avec mes collègues, on aura un discours pour dire « c'est pas nous, donc on peut rien faire ». Non, on peut faire sur tout. La preuve, c'est qu'avec Jacques Picard, ici présent, depuis que nous sommes ici, 3 ans, on a fait de la question du RERD une question majeure. Majeure. Et d'ailleurs, Jacques, c'est sa délégation. Nous sommes sûrement une des seules villes d'Île-de-France à avoir donné la délégation d'un sujet qui est de la compétence de la région et de l'État à un élu. Parce que, quand bien même ce n'est pas notre compétence, c'est l'une des questions majeures des Corbeil-Essonnois. Des milliers d'habitants de notre ville qui galèrent tous les jours pour aller bosser tous les matins et tous les soirs. Eh bien, on va se revoir, mais c'est bien de donner des éléments d'espoir. Hier, d'ailleurs, je remercie Jacques parce que on s'est battu. Ça n'a jamais été un sujet pendant 30 ans dans cette ville. Alors que Ris-Orangis, Soisy, Étiole, qui ont été victimes, ça a été dit dans le film ou dans la salle, d'un schéma d'aménagement en 2019 qui fait que tous ceux de la ligne Moulin-Galant, Robinson, etc., ça concerne aussi une partie à Évry et Ris-Orangis, doivent descendre à Juvisy pour aller bosser à Paris. Bonjour. Et donc on en a fait un sujet majeur, on est rentré dans la bataille avec les usagers, leur association et les élus des villes voisines, et je peux vous dire qu'ils en sont très satisfaits, parce que quand Corbeil-Essonnes, avec ses 56 000 habitants, l'autorité de son maire et de ses élus rentre dans la bataille, eh bien, ça a fait, avec une idée forte qu'a eu Jacques, c'est de dire, puisqu'ils nous baladent, ces institutions, on va se payer avec votre argent une étude indépendante d'un cabinet indépendant qui a fait l'objet d'ailleurs d'une réunion ici il y a quelques mois, avec 150 personnes, qui prouve que on peut aller en 30 minutes à Paris. Ça le prouve. On a été reçu il y a 2 mois, alors on se disait d'ailleurs avec les collègues, parce que c'est vrai qu'au regard de ce qu'on fait, moi c'est 14 heures par jour, et d'autres élus aussi, tous les jours, on bosse pour cette ville. On se dit qu'entre ce qu'on fait et ce qui est su, il y a un décalage. On a été reçu avec Jacques il y a 2 mois par le ministre des Transports. C'est la première fois que ça arrive. Et le ministre qui prend en compte cette question et qui fait qu'hier, et le risque pour nous c'était d'être baladé entre la SNCF, le gouvernement, et la région qui s'occupe, qui est cliente de la SNCF avec Île-de-France Mobilité. Hier matin, c'est la première fois que ça arrive depuis belle lurette, la présidente de la région, qui s'appelle Valérie Pécresse, a passé 5 heures à Corbeil-Essonnes avec tout ce qu'il y a de dirigeants de la SNCF Île-de-France Mobilité. Ce n'était pas sa position il y a 2 ans. Et elle est venue nous dire, en grande pompe, on lui a remis quand même 3000 pétitions, elle est venue nous dire qu'elle se rangeait de notre côté, ce qui est décisif comme cliente, et qu'elle demande à l'État de faire en sorte que dès 2024, rentrer dans la complexité du sujet, on est, c'est notre demande, une 20aine de créneaux par jour pour aller en 30 minutes à Paris. Vous voyez donc, alors on fait ça, c'est pas pour qu'on est super, c'est qu'on a une conviction, c'est que sur tous les sujets que vous avez abordés, j'en ai pris un exemple parce qu'on va se revoir, mais sur tous les sujets, on a une conviction, c'est pas qu'on n'a pas d'idée. Hein. Pensez que Michel Noailles, qui est adjoint à la réussite scolaire, qui a été professeur des écoles à l'UFM d'Étiole toute sa carrière et qui a formé pendant toute une période la moitié des enseignants de la ville, n'aurait pas une petite idée de ce qu'on peut faire à l'école, c'est pas sérieux. La question, c'est que c'est pas qu'on n'aurait pas d'idée. Et il y a plein de choses qui vont enfin sortir de terre dans cette ville. Pas que de terre, de projets aussi. Le contrat éducatif local sur lequel il est en train de bosser. C'est que sur tous les sujets listés, y compris ceux qui sont de notre compétence, ceux qui ne sont pas de notre compétence, le handicap, ce n'est pas les villes. Eh bien, il faut qu'on s'en occupe. Quand bien même, c'était très émouvant, évidemment, d'entendre le nombre de personnes qui ont parlé du handicap ce soir. Sur tous ces sujets, si vous ne vous en mêlez pas, on ne va pas y arriver.
Si le personnel communal qu'on a réuni ce matin dans la salle, à qui on a projeté le film, s'il s'en met le pas, on ne va pas y arriver. Pourquoi on ne va pas y arriver? Parce que toutes les questions auxquelles nous sommes confrontés sont des questions qu'on appelle politiques. Notre objectif, c'est de refaire de ce mot politique un joli mot, parce qu'on en est tous dégoûtés. À tel point, d'ailleurs, on l'avait dit au début du mandat, que nous avons conscience d'avoir été élus que par 16% des inscrits sur les listes électorales. Plus personne vote dans ce pays. Et alors nous, du coup, on pourrait dire, c'est pas qu'on est maso, c'est qu'on a une conviction politique. C'est qu'il y a, heureusement, l'histoire de l'humanité, partout sur la planète, elle nous montre que les humains sont capables du pire comme du meilleur. Et si on réfléchit, et dans l'actualité d'aujourd'hui, et dans l'histoire, on va voir 15 000 exemples. Elle a été capable du nazisme il n'y a pas si longtemps, et elle a été capable de la résistance et de la libération. Elle est capable de prouesses technologiques incroyables, comme d'ailleurs, pour ça que Valérie Pécresse est aussi venue hier, la réparation des trains qui va se faire maintenant dans un immense atelier tout neuf dans la gare de Corbeil. C'est 60 emplois nouveaux et prouesses technologiques extraordinaires. Et en même temps, nous sommes en train de brûler la planète. Voilà. On a un truc en commun, c'est que ça va être beaucoup plus chaud pour nous tous, qu'on soit riches, pauvres, etc. Donc vous voyez, ces défis hyper compliqués. Notre passion, c'est qu'on a la conviction qu'on peut et qu'on va y arriver. Et penser que donc sur toutes ces questions, on pourrait réussir sans vous, c'est un leurre. Et c'est pour ça que, parce qu'en plus, sincèrement, on est très content d'être élu à Corbeil, c'était dit, mais sincèrement, les atouts de cette ville sont incroyables. On l'avait dit dans une affiche qu'on avait sortie, c'était d'actualité dans le débat politique qu'on a eu à Corbeil. Toujours penser que la richesse de cette ville, c'était pas la richesse d'un seul homme, mais c'était ses habitants. C'est vous. Vous êtes intelligents, géniaux, plein d'idées. Et donc, la démarche qu'on lance ce soir, c'est donc de vous réinviter dans 10 réunions publiques. Vous avez les dates sur le flyer, parce qu'on va refaire ça 10 fois. Et je vous l'ai dit, le but, c'est 250 ce soir, mais du coup, voilà, ça peut il en être... reste plus de 9, on vient d'en faire une. On vient d'en faire une. Voilà, 9, il y a quelque chose qu'on a oublié dans le flyer, mais comme on va le rééditer, on va le marquer. C'est que c'est pas... Le but, c'est pas d'avoir des listes à la Prévert non plus. Mais on voit que ce soir, les débats, ils sont pas qu'entre vous et nous. Hein. Dans le centre-ville, il y a des gens qui disent « rien construire ». Il y a des gens qui disent « mais vous rigolez, il y a 4000 demandes de logement en attente à Corbeil-Essonne ». Il y a tous ceux qui sont bien logés qui pensent qu'il ne faut pas construire. Puis il y en a qui disent « non, il faut construire, mais du logement social, parce qu'on ne va pas faire une ville, un centre-ville pour les bobos ». Puis il y en a qui disent « attendez, vous rigolez, vous, du logement social, il y en a déjà trop à Corbeil-Essonne. On ne va pas refaire venir des pauvres, et ça stigmatise ». Mais ça, le débat, il n'est pas qu'avec nous. Vous l'avez. Vous l'avez. D'accord ? Et donc, c'est pas simplement des listes à la Prévert qu'on veut avoir pendant toutes les réunions publiques. C'est avoir des réflexions entre nous. Reprendre le temps de l'intelligence et du débat. Ça, ça crée de la fraternité, je peux vous le dire. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours scotché par ces réunions et ces démarches. C'est qu'il n'y a jamais d'idées mauvaises, de haine. Il n'y a que des idées généreuses qui sont exprimées. Et ça, c'est une force extraordinaire. Et donc, les jeudis 29 juin, les lundis 3 juillet, à 18h30, dans cette salle, on prend deux soirées pour que vous reveniez fort de toutes vos idées, parce que vous avez plein d'idées. Par exemple, ce qu'a dit Marcel Giraudol sans micro. La question de l'emploi, elle peut paraître évidente. Sincèrement, je suis honnête, quand on avait tellement de choses à faire en arrivant dans cette ville abîmée que je n'avais pas forcément perçu la question de l'emploi dans le centre-ville avec la force qu'elle s'exprime aujourd'hui, ce que vous dites aussi, monsieur, dans le film. Et donc, on en fait une priorité de faire venir de l'emploi. D'accord ? Donc, ces deux soirées d'atelier, ça va vous permettre de dire, attendez, bon d'accord, ils jouent le jeu, ils le font avec nous, les élus. Comment on va travailler des propositions ? Et dernier aspect de cette démarche, mais on se reverra, hein, il nous reste des années, c'est que le 28 donc, septembre, on va bosser, nous, d'ici le 28, toute l'administration. Déjà,
on est au boulot, mais tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tout le mois de septembre, on va prendre votre matière et on va dire ce qu'une personne a dit. Ouais, d'accord, parce que vous avez vu la liste. Qu'est-ce qu'on choisit dans tout ça? On va rien laisser de côté. Mais qu'est-ce qu'on priorise? Et on viendra devant vous le 28 pour vous dire, voilà les engagements qu'on prend. Pareil, et on se battra avec vous pendant des mois et des années pour les réaliser. C'est ça le sens de la démarche. Voilà. Merci, merci à vous tous. Alors regardez, vous avez toutes les dates. Et puis il y a l'équipe, hein, Tristan, Aurore, Marcia, Tiziri. Vous pouvez leur dire à quelle réunion vous voulez venir. Inscrivez-vous, venez, parce qu'une des conditions du changement, c'est votre participation. Et de celle de vos proches, de vos amis, des habitants de Corbeil. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et on se retrouve très vite pour continuer à discuter et à imaginer Corbeil-Essonne. Merci.